Vous pouvez très bien travailler derrière un bureau. Oui, mais j'aime pas ça. Ah. Ok. Vous êtes dans le déni un petit peu psychologiquement de ce qui se passe là? Un peu plus ou moins, oui. Ça a été quoi l'élément déclencheur là pour ne plus vouloir travailler et sombrer dans ce désarroi? Et la tête cachetonnée, comment tu veux penser, Simone? La tête cachetonnée, comment tu veux penser? Tu vois, quand tu me regardes comme ça, je me dis, mais merde. Putain. Allez. Tu me boostes. C'est toi qui me boostes. C'est toi le psy. Il n'y a plus de psy, il n'y a plus rien. Il n'y a que la vie, quoi. Tu vois. Et toi, tu m'as boosté. Le fait que tu aies écrit ça, que tu me regardes de cette façon-là, et que tu ne me juges pas, et que moi, je ne te juge pas, eh ben, je veux te dire, il faut absolument que... Regarde-moi bien. Sors-toi de tout ça. Sors-toi. T'es beau. T'es une belle personne. Deep down in Louisiana, just in New Orleans, we're back up in the woods among the evergreens. This little old cabin made of earth and wood, where lived a little boy named Charlie D. Good, who couldn't read or write so well, but he could play the guitar just like a ringing bell. Go, 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 Charlie, go, go, go. 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 Charlie, be good, yeah. Charlie!